Allez, terrain de poussant. Alors ce que ça vaut dans le en cross. À tous, on se retrouve. Première vidéo embarquée avec la 2,5. La pauvre, elle a pas vraiment de répit. On va se calmer un peu. La pauvre, je suis à fond depuis tout à l'heure. Ça fait tout bizarre de revenir sur une 2,5 4 temps, les gars. Après avoir eu un 2,5 de temps. Un 4,5 4 temps qui est toujours à la maison d'ailleurs, celui-ci, alors je vous fais la vidéo. Alors on va commencer par le poste de pilotage. Poste de pilotage, pour moi c'est un 10 sur 10. Nickel. Tout tombe bien sous la main. On a le Komodo habituel de chez KTM. Ici alors qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement notre sélection de map et notre traction control. Donc là je suis en map 2. La map 2 c'est celle qui est un peu plus costaud, elle a plus de puissance. Il y a aussi la map 1 qui est la map, on va dire, normale. Et on a le traction control, donc ça je ne l'ai pas encore essayé. J'attends d'être un peu plus dans des côtes pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Être dans une côte va être un gros coup de louche et voir si ça patine ou pas. C'est censé en fait empêcher la roue arrière de patiner. Donc voilà, le compteur très visible.
Donc très très bien. Il fait même compteur d'heures aussi, il me semble. Donc voilà, bon après ça, c'est toujours intéressant quand on va revendre sa moto, mais sinon, en général, voilà, on sait à peu près combien d'heures on roule. Mais c'est toujours intéressant aussi pour l'entretien, évidemment. Puis nickel, on a le petit démarreur qui est ici. Pour sélectionner les maps, c'est le petit bouton là. Hop. Donc, hop, alors. 1, 2. Et là, on a le traction control. Là, il est activé quand c'est allumé. Voilà. Le guidon, moi, c'est un guidon qui me va plutôt bien. Position assez neutre. Hop, on va s'arrêter. Levier, nickel. Celui-là, bien aussi. Ce que j'ai remarqué en revanche, c'est que quand la moto est froide, l'embrayage n'a pas toute sa garde. C'est-à-dire que quand elle est froide, on va dire que l'embrayage il lâche la moto à partir d'ici. Et maintenant il lâche à partir d'ici. Donc je vais peut-être devoir un petit peu jouer avec cette molette. Mais ça c'est pas grave, c'est normal. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien de très très grave là-dessus. Quand je dis c'est même plutôt normal. Donc hop, en plus on peut le faire à la main. C'est aussi l'avantage de ce type de levier là. Donc nickel, franchement, peut-être petit bémol, ça me fait pas trop confiance, je me dis si un jour je vais me satelliser, faut vraiment viser droit, parce que si tu vises là, voilà, alors qu'une plus grosse, ça limite la casse. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne visibilité, du coup, on n'est pas embêté pour faire les réglages, donc ça je le ferai pas, de toute façon. On va mettre le traction control. Ah ouais, ça par contre c'est impressionnant les gars. Je suis en drift tout le long et là je mets le traction control. Ça bouge mais pas d'un pet. C'est impressionnant. Purée, je m'attendais pas à ça. Voilà, on va aller doucement. Ça fait très longtemps que je suis pas passé. Là, par contre, c'est vrai que un 2,5-4 ans, c'est un régal dans les petits trucs sinueux comme ça là. Par contre, le guidon a l'air hyper large au final, parce que là les arbres, j'étais pas loin de les toucher, alors que c'est vrai qu'avec la YAM, j'ai touché pas du tout. Alors après pour tout vous dire, du coup ça fait un petit 20 minutes et une demi-heure que je roule. Et j'ai l'impression que c'est une moto qui donne qui en tout cas me donne un peu mal au bras. La WRF, bien que ce soit une 4,5, j'ai jamais mal au bras. J'ai mal aux mains parce que je me tiens. Mais j'ai jamais mal aux avant-bras ou quoi que ce soit, enfin c'est très rare. À moins de vraiment faire de la spéciale. Et c'est vrai que là j'ai fait que du roulant. Et je commence à avoir les avant-bras qui congestionnent. J'ai l'impression que en fait elle me tire plus qu'elle me pousse vers l'avant. Je sais pas comment expliquer. La YAM, j'ai l'impression que je suis plus ancré dessus. C'est peut-être la position de mes pieds. C'est sûrement la position de mes pieds. Et en fait, je suis bloqué. Et quand j'accélère, je pars pas en arrière. Alors que là, je me retiens beaucoup avec les bras. J'ai l'impression de glisser en fait à ce niveau-là. Là. Je suis pas très très bien accroché, on va dire. Ce qui fait que je force beaucoup plus avec les bras. Hop, on va faire un petit peu de technique. On va faire chauffer le cardio aujourd'hui. On va pas faire des dingueries. Je suis quand même encore une fois seul. Parce que le matin, il y a. Il n'y a pas grand monde le matin. Alors on va essayer d'aller par là. Ok, 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 plutôt pas mal. En tout cas, l'adhérence passe bien au sol. Ça, c'est quand même une très, 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 très bonne chose. Maintenant, on va s'attaquer à celle-là. Ah.
Ouais, clairement, regardez. Le moteur est vraiment, pour moi, vraiment bien pour ce genre de choses. Parce qu'il est quand même assez doux. Plus doux que celui de la WRF, mais moins fort. Je vois comment dire. Il est un peu moins rageur, mais c'est un avantage dans cette situation là plutôt, je trouve. C'est vrai qu'il y en a un peu moins, donc quand même moins puissant que la Yam. Je sais pas comment dire, la Yam, elle va plus emporter. Celui-ci, il peut rester doux. Et sur un filet de gaz, ça passe très 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 bien. Je compare 2,5 à 2,5, hein, pas 4,5 à 2,5. Mais c'est vrai que ce moteur, il est très très efficace, surtout sur un petit filet comme ça. Il y avait une côte là, mais il y a un arbre au milieu. Alors, vous voyez en sortie de virage, la moto, elle a tendance à vouloir lever dès qu'on met un peu trop de gaz. Donc peut-être que c'est une moto qui se pilote plus, encore plus sur l'avant que la Yam. C'est vrai que la Yam elle est beaucoup plus posée au sol. Mais c'est sûr, c'est qu'il y a un couple de malade. Enfin, un couple pour un 2,5 assez impressionnant, je trouve. Il est beaucoup plus doux que la Yam, je pense pas qu'elle en ait plus. Par contre l'adhérence, c'est vrai que ça a l'air d'être son point fort, même sans traction control, vous voyez. Et aussi un petit détail freinage, petit point freinage, ça freine quand même plutôt fort, même très bien, hein. Enfin je veux dire, ça freine comme toutes les motos. À savoir qu'à l'avant c'est des freins Galfer, voilà, donc Galfer c'est un partenaire, ils sont montés d'origine sur les KT, parce que c'est une marque qu'on connaît pas spécialement bien au final, mais en fait c'est toutes les KT et Husky etc. sont montées en Galfer d'origine pour les disques. Et au niveau de l'assiette de la moto, j'ai l'impression que, alors elle a beaucoup d'adhérence, mais cette adhérence, elle est peut-être due aussi à l'assiette, parce que j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup moins de grippe sur la roue avant. Elle se lève en sortie de virage, certes, mais tout à l'heure j'ai essayé de faire des stoppies. Des stoppies j'arrive facilement avec la WRF, avec la 125 que Guigui avait, la KT. C'est vrai qu'avec celle-ci, alors c'est plus lourd, ça reste un 2,5-4 temps, mais quasiment impossible quoi. La roue avant, elle glisse en fait, comme s'il n'y avait pas de poids dessus, alors que putain, je suis le cul sur le réservoir quoi. On va faire un petit test que je faisais souvent avec mes motos quand je passais dans ce coin là. Tout bêtement, vous allez voir, c'est un test de merde. Et là, c'est là qu'on sent bien qu'en fait ça tape un peu dans les poignets au lieu d'être plutôt souple. Pourtant la moto est pas réglée dure. C'est comme s'il y avait un petit point dur en fait quand il y a ce genre d'obstacle un peu raide. Ce qui est bien dommage. Oh, ça a l'air sympathique. Par contre, je suis fier, j'arrive à passer cette merde là. Là oui. Oh, moi j'avais pas. Je sais pas. Bon, allez, trop tard. Regardez s'il est pas beau ce petit masque au clé là, les gars. Sponsor le Pro MX, le machin. Bam! D'ailleurs je vous rappelle, sur mon site vous avez moins 10%, voilà. Vous êtes beaucoup à me demander si c'est mon site, c'est vraiment mon site. Et quand vous commandez, c'est moi qui gère vos commandes et tout. Si vous avez besoin de conseils, je suis là pour vous conseiller sur la page du site. Il suffit d'envoyer un petit DM. Oh putain, attends. Ouais non.
Je croyais que ça faisait un espèce de saut. Donc voilà, moins 10% avec le code Voltor. Putain, ça glisse. On dirait pas parce qu'il y a des endroits où c'est encore assez humide. Bon, après on fait un peu de technique, un peu de roulant. Très bonne moto. Si je devais donner deux micro points faibles, ce serait la fourche, j'ai l'impression qu'elle tape un petit peu. Et la selle, pour moi la selle elle accroche rien du tout. C'est à dire là si j'accélère, mon cul il se retrouve derrière. Nous voilà de retour chez Husqvarna France, mon petit débriefing. Du coup cette moto, franchement très bonne surprise, je m'attendais pas à ça. Franchement niveau partie cycle, j'ai été impressionné, je me suis senti vraiment hyper à l'aise. Le moteur je trouve qu'il en manque un peu comparé à d'autres marques, je pense notamment au Yamaha que j'ai eu l'habitude de rouler. Mais sinon le moteur est hyper doux pour faire du technique, c'est vraiment en tout cas pour moi en 2004 temps une jolie moto. Et je suis sûr qu'avec une petite ligne, pourquoi pas une bonne cartographie avec un petit boîtier jet ou quoi, ça changerait la donne. Alors après le point on va dire un petit peu plus faible de la moto, c'est son prix, c'est 10 600 euros, grosso modo 10 500 et des brouettes, mais ça se rapproche plus de 10 600. Donc c'est vrai qu'il faut rajouter une ligne c'est bien 900 1000 euros en général, 900 à 1000 euros et un boîtier jet c'est à peu près 500 euros. Donc c'est vrai que bah voilà, même si la moto est performante, peut-être qu'il lui faudrait une petite ligne, une petite carto pour débloquer tout ça. Sinon franchement je me suis senti hyper à l'aise. C'est une moto qui est hyper bien équipée. On a bien sûr le traction control, les deux maps, ça aussi c'est pas à négliger. Et puis voilà, on a franchement une base hyper saine. C'est une moto qui est prête à rouler, il y a vraiment rien besoin de rajouter. On a les protège-mains, on a le sabot moteur, la béquille, enfin, franchement c'est du nickel. Et j'en profite pour vous dire, les freins c'est du Galfer, c'est la marque qui nous sponsorise cette année. Voilà, je sais que c'est des motos qui sont équipées d'origine avec des freins Galfer, donc ça c'est aussi quand même une marque de qualité. Et puis voilà, franchement nickel. On a juste eu un tout petit souci, je vous montre, c'est que ça c'était mal branché. Je sais que c'est déjà arrivé sur d'autres KTM parce que, et d'autres Husqvarna, parce que quand j'ai eu le problème, j'étais avec un mécano de course qui avait eu le problème déjà sur une 450 SXF il me semble, d'un mec qui faisait l'élite en motocross si je me trompe pas. Donc voilà, ça c'est un petit truc à faire gaffe, si la moto démarre pas ça peut venir de là, il y a juste à déclipser, reclipser. Mais quand on sait pas, j'ai failli justement passer un week-end sans faire de moto à cause de ça, puisque j'étais sur le terrain, j'étais pas chez moi, je pouvais pas donner la moto à un mécano et j'ai eu la chance d'avoir ce petit coup de pouce. Donc voilà, merci à tous, franchement, conquis par cette moto. Il faudrait peut-être rajouter quelque chose pour la puncher un peu plus, mais sinon très très bonne moto, je me suis régalé. Voilà, bon merci à tous d'avoir suivi ce petit test. On se retrouve très bientôt, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir beaucoup de news en avance. Sur ce, ciao, bye et gaz.